Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait 3 fois que je la tourne parce que j'ai les enfants à la maison et que on est mercredi et que il n'y avait pas la garderie aujourd'hui. Le centre aéré est fermé et je crois qu'ils préparent les locaux pour accueillir les enfants pour cet été. Donc je les avais toute la journée à la maison avec moi alors que j'étais en repos. J'aurais aimé avoir un peu de tranquillité. Mais pour filmer cette vidéo, donc si vous entendez un petit peu les enfants, c'est normal. Donc, revenons à nos moutons. Suite à ma première vidéo, je l'avais fait parce que j'avais, entre guillemets, voulu présenter mon projet du soulmate. Mais je pense qu'en première vidéo, ce qui est important, c'est de voir mon parcours coloriage, entre guillemets, ce que j'ai pu réaliser. Et quel livre je possède, quel livre je ne veux plus, parce que en sortant tous mes livres, je me suis aperçue de ce que je ne coloriais plus, ce que je n'ai jamais vraiment colorié plus tôt, parce que en général, quand j'achète un livre aujourd'hui, vraiment, c'est que j'ai pas tellement acheté beaucoup de livres par pulsion, on va dire au début, j'ai pas trop fait ça, mais comme au début j'avais un peu de mal à commander sur Amazon, j'essayais de compenser avec d'autres livres, mais ça marchait pas. Ça ne remplace pas du Hannah Carson. Donc du coup, tous ces livres-là ne me contentent plus au jour d'aujourd'hui. J'ai bien vu en faisant le tri qu'il y a bien une dizaine de bouquins qui ne me plaisent pas. Alors je ne sais pas si je vais les vendre ou si je les mets de côté pour mes enfants, pour faire des tests, des choses comme ça. Je vais revoir ça un petit peu. Et puis, suite à la vidéo de Simone, je la remercie énormément d'avoir parlé de ma chaîne. Merci. C'est super sympa de partager comme ça les chaînes. Je remercie également Marinart qui a fait une petite story en montrant que j'avais une story. Elle a mis un petit message sur sa story comme quoi j'avais ouvert une chaîne YouTube. Donc, c'est super cool. Je les remercie énormément. Et puis, je remercie tous les gens qui se sont abonnés. Je vais continuer mes vidéos. Donc du coup, là, je comptais filmer ce week-end, mais je travaille dans la restauration, donc c'est un peu compliqué. Je travaillais de nuit. Je finissais très tard, je finissais à 1h du matin. Donc là, je vais reprendre un rythme normal au mois de juillet. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter toute ma collection de livres. Vous allez voir tous mes coloriages que j'ai pu réaliser. Je vais essayer de le faire tout le long de cette semaine ou sur 2 semaines, je ne sais pas encore. Ça dépendra du temps, du travail et de mes enfants aussi, parce que j'aimerais filmer plus ou moins dans le calme. Même si j'en suis sûre qu'en fond, vous entendez un petit peu les vidéos qui sont en train de tourner là. Je les ai mis devant un film, mais pour un petit peu les monopoliser leur attention. Mais du coup, donc suite à la vidéo de Simone, je disais. Elle m'a demandé qu'elle voulait voir donc du coup mon livre Mythomorphia. Donc du coup, ce que j'ai au début, je voulais faire tous mes formats carrés, puis tous mes formats hardback, puis un petit peu peut-être découpé en plusieurs vidéos, je sais pas. Mais en gros, je voulais faire ça. Mais comme Simone a demandé de voir mon Mythomorphia en plus détaillé, on va dire, je me suis dit, je vais pas faire qu'une vidéo avec le Mythomorphia. Je vais faire une vidéo avec tous mes Kirby. Donc là, je vais présenter tous mes livres Kirby et Rosanne. Et on finira par le Mythomorphia en vous montrant mon avancée. J'ai plutôt bien avancé dans ce livre. Mais je suis un peu plus de 50%, je pense. J'ai l'application de Colorimi. Mais je crois qu'elle a fait une modification du nombre d'écolos. Je sais pas. Il faut que je recompte un petit peu pour être un peu plus à jour dans ça. Mais voilà. Donc le Kirby Rosanne, je crois que c'est un des illustrateurs que j'ai le plus colorié avec Hannah Carson. C'est mes deux illustrateurs préférés. Et donc je vais commencer par le Fantomorphia parce que c'était mon premier livre de coloriage hors Disney et le premier Kirby que j'ai vu. Donc ce que je voulais dire, c'est que comme j'ai fait énormément de coloriage, je vais pas vous dire tout le matériel que j'ai utilisé. Juste le Fantomorphia, je l'ai fait en majorité
on va dire 95% du bouquin est fait avec les Arteza, puisque c'était ma première gamme de crayons de couleur. Et beaucoup de pastels secs, pastels gras, néocolores, je crois aussi un petit peu, parce que c'est un des premiers médias que j'ai acheté pour mes fonds. Et voilà. Donc, voilà. Alors, bah, je voulais pas le faire comme ça. Je voulais faire tout rouge et partir sur un dégradé de rouge orangé. Et puis, je me suis dit, hop, on va faire un arc-en-ciel. Donc, je trouve que mes dégradés sont pas beaux, mais l'idée est belle. Voilà. Celui-ci. Alors, ce livre, il est très bien, je trouve, pour commencer le coloriage et pour commencer le Kirby. Parce que c'est des pages simples. Et par exemple, moi, au début, je ne voyais pas la différence en magasin entre un feutre à alcool et un feutre à eau. Donc, quand j'ai fait du noir, j'ai dit, pourquoi ça traverse? Feutre à alcool. Ça faisait que 15 jours que je coloriais quand j'ai fait celui-ci. Donc, vous doutez bien que je ne faisais pas différence entre un feutre à alcool et un feutre normal. Hein. Donc, voilà. Ça fait un très beau noir d'ailleurs. Hein. Celui-ci m'a dégoûté du l'effet bois. Concrètement. Voilà. Et c'est bien parce que par exemple, là j'avais mis du stylo gel noir, je crois, et j'ai bombé directement avec de la bombe fixative et ça m'a fait ça en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Ça m'a fait des petits caca. Et du coup, c'est bien parce que voilà, c'est pas un livre qui est magnifique, je trouve, pour du Kirby Rosane, mais ça permet de s'habituer à ses traits et à utiliser plusieurs médias différents, à essayer, voilà, plein de choses, essayer plusieurs fonds. Et vraiment, je trouve vraiment, si j'ai un livre à vous conseiller pour commencer, prenez celui-ci. À part si vous sentez d'aller dans l'ultramorphia dès le début, hein, mais si vous êtes un petit peu sceptique à l'idée de commencer le Kirby, c'est un très très bon début. Et là, j'ai testé les crayons Intense parce que j'ai qu'une boîte de 12 et j'avais testé les Intense, j'ai testé là aussi les Intense, j'ai testé les faits écume, pastel gras, je crois, à l'intérieur. Donc, c'est super sympa pour ça. Et vous voyez, ces coloriages avant on ne me disait rien. Et là que ça fait un moment que je ne suis pas retournée dedans, ben, il me tente beaucoup. Surtout celui-ci. Celui-là, chaque fois que je le vois, je pense à Marine Art qui a terminé ce colo il y a peu. Et elle a fait un effet or somptueux. Vraiment, au polychromos. Je fais rarement l'effet or au polychromos, mais son effet or est très 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 beau, vraiment. Donc voilà. Bah pareil, j'ai fait Intense, Intense, pastel sec, ou pastel gras et pastel sec, je sais plus. Mais vraiment, vraiment, c'est un très bon livre pour ça. Puis je l'ai bien avancé, donc oui, j'y retourne un petit peu, comme ça, je ne l'ai pas terminé, mais bon, ça fera une bonne base pour commencer. Ça, c'est mon premier coloriage, je crois, hors Disney. Voilà. Donc, faut pas. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui n'ait pas peur, mais qui va essayer. Parce que si on n'essaye jamais, on n'y arrivera jamais de toute manière. Donc, j'allais pas dans le Mythomorphia, il était dans le coin de mon bureau. Je le regardais. Je me disais, quand j'arriverai à faire quelque chose de satisfaisant à l'intérieur, je crois que c'est après celui-ci que je fais dans le Mythomorphia d'ailleurs. Parce que j'avais adoré tout le bas en fait. Je trouve qu'il est super beau. Même mon fond, ça va. Mes feuilles sont pas terrible et mes animaux là que j'ai pas fait de dégrader vraiment. Celui-ci me fait flipper. Celui-ci j'ai jamais publié donc vous le voyez un petit peu en exclu. Voilà. Celui-ci, désolée, je suis fatiguée, je me suis tapé 6 heures de ménage, j'ai décapé ma maison toute la journée avec les enfants au milieu. Donc,
Là, c'est que Intense et j'avais qu'une boîte de 12. Vous voyez? J'ai essayé de faire un mélange de couleurs pour faire quelque chose d'à peu près cohérent, mais bon. Désolée, j'ai mis un peu pause parce que mon fils qui est en train de faire la pousser la chansonnette à côté. Il se calme un petit peu. Ouais, là j'avais fait un fond, je voulais faire un fond fondu, puis j'ai fait n'importe quoi, quoi. Là, elle est belle celle-ci. Elle est simple mais efficace, quoi. Même celui-ci, je l'aime plutôt bien. Alors, celui-ci, alors j'avais essayé de coller pour l'avoir en entier, puis quand j'ai vu l'impression que ça a fait, j'ai laissé tomber. Au jour d'aujourd'hui, je ne ferai plus ça, mais. Et le dernier que j'ai fait dans le style, c'est celui-ci que j'aime toujours autant. Je l'ai fait quand j'ai reçu mes. Reçu. Quand je suis allée chercher mes drawings, parce que je les ai achetés à l'unité. Parce que ça revenait moins cher de les acheter à l'unité concrètement que prendre la boîte, puisque chez moi, ils sont à 2 euros l'unité à Cultura, donc 46, 48 euros les 24. Parce que 2 fois 24, 48. Alors que la boîte chez Amazon, des fois, elle dépasse les 50 euros. Donc, pour avoir une boîte en fer, je m'en fous un peu, quoi. Et vu que mon Cultura, il est pratiquement en face, pas en face, mais à même pas 5 minutes en voiture du mon travail. Voilà. Et j'avais acheté également la peinture PBO bronze. J'avais fait tout dans les tons sépia, marron, j'adore. Et j'avais utilisé également les Lumocolor. C'était la première fois, c'était l'été dernier. Ça fait. J'adore. Alors vous allez crier, oui! Si vous voyez prendre mon livre comme ça, hop. Allez, go. Bon, ça, c'est mon Fantomorphia. Je pense que je vais retourner. J'ai eu une petite petite overdose. Mais vraiment, il faut que je le continue parce que je l'ai bien avancé. Je pense que je vais essayer de me mettre en objectif dès que j'ai fini Mythomorphia, de me remettre dans celui-ci un petit peu plus à fond. Le Fragile World. Donc, le Fragile World, c'est un livre que j'adore. Vraiment, parce qu'il est très réaliste. Et des livres, il est réaliste avec des animaux. Il n'y en a pas vraiment. Donc, ça change un petit peu. Donc, je l'aime beaucoup. J'avais fait cette double page. Hop, je vais essayer de vous la cadrer. Alors, excusez-moi, je vais essayer de recadrer tout ça un petit peu. J'essaie de vous remonter. Pardon. J'espère que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Donc, j'ai recréé la montagne. Parce que là, le coloriage, il n'y a que ça en fait. Mais voilà, j'ai voulu faire la montagne pour faire un paysage parce que je ne me voyais pas faire un ciel de partout. Et j'ai voulu faire un petit peu la jungle avec la vapeur d'eau. Voilà. Donc ça, je l'ai fait au néocolore. Je l'ai d'abord aquarellé, puis je l'ai repassé à sec, travaillé au doigt comme un pastel craie en fait. Donc on peut travailler le pastel, le néocolore comme un pastel craie, c'est pas dérangeant. Donc ensuite j'ai fait cette page. Quand j'ai reçu le bouquin, je l'ai fait en une nuit, je crois, ou deux. Je l'ai fait en. On l'a fait à plusieurs, on l'a fait à quatre, je crois. Et vraiment, c'était une page qui me donnait très 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 envie. Ben, je crois comme beaucoup. Hein. Et puis celle-ci, que j'ai fait le fond avec le tuto de Zazou. Et je me suis un petit peu inspirée de cet effet qu'elle avait fait dans l'eau aussi. Et puis après, j'ai mis aussi du vernis à ongles. Moi, dans le. Une fois, je fais ça, dans la glace. Ça fait un effet. Là, j'ai acheté l'iridescent. Donc, je mettrai peut-être plus l'iridescent au jour d'aujourd'hui. Mais j'ai un espèce de vernis. Il est un peu blanc. Et quand vous le passez, il est transparent avec des effets un peu holographiques. Mais vraiment très léger. Donc, voilà. Souvent, je le mets dans la glace ou dans. Bah, je l'ai mis dans la glace dans Mythomorphia, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Et j'ai également un dernier couloir à vous montrer. C'est le coloriage le plus aimé sur mon Instagram. J'adore le ciel que j'ai pu faire. Et ça a été un couloir plutôt rapide, même si j'ai fait le fond en crayon de couleur.
Parce que ça, j'ai fait vraiment un aplat assez simple. Je ne me suis pas vraiment cassé la tête pour les feuilles. Je les ai repassées au Posca. Après, j'ai fait de l'acrylique pour faire un effet un peu pareil. Comme si, vous savez, la nuit, ça fait un peu de la vapeur d'eau. Et j'ai mis un petit peu de spray, du spray Easing argenté. Voilà. Et puis les papillons, je ne me suis pas pris la tête. Je les ai faits au stylo gel, repassés au Posca. Et l'entièreté du tigre est fait au Color Soft. Même le fond est au Color Soft. Donc c'est des très très bons crayons. Et leur gamme de marron est magnifique. Derwent, j'adore de toute façon. Avec les Color Soft, des fois j'ai un petit peu de mal. Mais là, je suis en train de me prendre les Pro Color à l'unité. Parce que je ne me sers pas beaucoup du jaune, du orange. Donc c'est pas une gamme que. De ouf que je rêve d'avoir, mais il y a des teintes un petit peu à part et je me les prends à unité. Donc reprenons, repartons un petit peu dans mes coloriages. Je m'égare un peu, mais alors ça c'est le Color Morphia, donc c'est le best-of, le premier best-of, parce que là il y a un best-of apparemment qui va sortir au mois de octobre ou novembre. Calypso Morphia, je crois, je sais plus. Donc, ce colo, je l'ai fait en commun avec Julie Nueva. En commun. En fait, elle vous montre en début de mois les colos qu'elle souhaiterait faire. Quand j'ai vu King Kong, ben, franchement, je me suis dit, ben, c'est un bon moyen d'attaquer ce livre, parce que j'ai ce livre depuis. Ça faisait depuis le mois de juillet que je l'avais. Je crois que je l'ai fait pour le mois de mars ou avril, je sais plus. Mars, me semble-t-il. Et je me suis dit, bah, écoute, il faudrait un jour quand même que tu l'attaques, même si tu veux le faire plus tard, de temps en temps, faire un, c'est sympa. Donc voilà, on l'a fait à plusieurs, il n'y a pas que Junova, il y avait plusieurs personnes sur Twitch qui ont fait avec nous, je sais plus, peut-être Dria, je sais plus, je vais pas dire parce que. Enfin bref, ensuite. Ce coloriage, j'adore ce colo, très doux. Donc j'ai fait un côté or pour le côté fille, côté argent pour les garçons. J'ai fait le fond aux encres et c'est l'édition Marabout. Et j'ai sauté dessus en fait. Je comptais pas l'acheter, mais quand je suis arrivée en magasin, j'ai vu la qualité de papier. C'était cet été, donc je crois que c'était la première fois que je voyais cette qualité-là de papier. Et j'étais hyper surprise et je me suis dit si le Worthing World ils le font avec ce papier, je le prendrai, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, je ne comprends pas parce que tous les livres dernièrement sont faits avec ce papier-là. Mais bien non, pas le Worthing World. Alors peut-être qu'il avait imprimé avant et du coup, voilà, mais. Parce que j'ai cette édition là, Lomart Art et. Je sais pas pourquoi je bloque sur ce livre. C'est le Kirby que j'ai le moins avancé, je crois. Bon, à part le Color Morphia, mais j'ai fait un blocage dessus parce qu'elle était énormément coloriée, peut-être. Et j'arrive jamais à le finir. Jamais. J'arrive rarement à le finir. Donc, j'ai cette double page qui est entamée. Donc, j'ai fait que cette page-là et pas celle-ci. Je bloque. Concrètement, je bloque. Pourtant, j'aime bien ce que j'avais fait une imitation Louis Vuitton. Donc voilà. J'ai fait celui-ci. Pareil sur Twitch, mais pour Lady. Donc franchement, c'est bien d'aller sur Twitch parce que des fois, on fait des colos on ne serait peut-être pas allé forcément. Et en fait, les filles proposent des colos en commun ou des choses comme ça. Puis on se dit, bah, tiens, je sais pas quoi faire, tac, je fais celui-là. Donc c'est super sympa des fois. Et puis j'ai bien aimé le faire. J'avais fait le fond néocolore, ça c'est de l'acrylique, ça au crayon, ça également. J'ai voulu faire une petite lune, un effet nuit, un effet or, même si j'aime pas trop faire ça. Maintenant, ça va mieux. Pendant un moment, j'avais du mal avec l'effet or. Pareil, celui-là, j'ai énormément de mal à le terminer, mais comme j'avais fait en duo, je ne pouvais pas lui dire, écoute, laisse tomber. J'en peux plus.
Donc je me suis un petit peu forcée à le terminer, j'ai fait violence. Et finalement, j'aime plutôt bien le résultat, c'est pas extraordinaire. Mais pour un colo, j'en pouvais plus, ça va. J'aime beaucoup ce côté-là, ce poisson, je l'aime énormément, celui-ci beaucoup moins. En plus, on était parti sur la même couleur sans se rendre compte. Quand on s'est montré nos colos, on était parti en fait finalement sur la même palette, ce qui est très, très rigolo du coup. Donc je l'avais fait une base au crayon, puis ça m'a saoulé, donc j'ai passé à l'aquarelle. Puis après j'ai re-ombré avec un petit peu de crayon. Et puis j'ai mis pareil, du spray argenté. Et j'ai mis du glossy sur les bulles. Voilà. Alors, vous voyez bien les paillettes, tiens. Donc, ouais. Voilà. Cette double page. Et pareil, voilà, j'ai plein de double pages qui sont entamées dans ce bouquin. Celle-ci. Je vous ai sauté une page, mais il y a une horloge que je devais faire pour un colo Twitch, pareil, avec Juno Eva. Et puis, ah, celle-là, je ne l'ai pas faite parce que. Je sais pas, ce bouquin, quand j'entame un truc colo, j'ai du mal à le finir. Je ne sais pas. Et le dernier que j'ai fait à l'intérieur, celle-ci. Quand j'ai reçu le bouquin, j'avais tellement envie de faire celui-là que. Voilà. Et j'aime bien la palette de couleurs que j'ai fait. Je trouve qu'il sort un petit peu du lot. Donc voilà. Ensuite, on va arriver au Mythomorphia. Donc, je remercie encore Simone pour avoir parlé de ma chaîne, que vous êtes aussi nombreux à s'être abonné à ma chaîne, ça fait énormément plaisir. Donc, le Mythomorphia, c'est mon chouchou, je pense comme beaucoup. Il sera dur à égaler, car Herbie a beaucoup de travail à faire pour que je pense que ça reste un livre. Mythique d'ailleurs, ça lui va bien ce nom. C'est vraiment un bouquin qui est incontournable. Je pense que, bon, après, on aime ou on n'aime pas les traits de Kirby, mais si on aime un minimum, on est obligé de l'avoir pour moi, vraiment. Et puis, moi, je me suis lancée assez tôt dedans parce que je me suis dit de toute manière, il faut se lancer parce que tu évolueras tout le temps dans le coloriage, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on évoluera. Donc si tu te lances pas, il pourra pas avancer le truc, hein. Donc je me suis jamais trop bloquée sur ce genre de choses. Je voulais quand même un minimum pour apprendre les dégradés, mais je me suis jamais trop non plus restreinte. Parce que sinon, on n'y arrive pas, hein. Et puis ça nous permet d'évoluer aussi. Donc celui-là, je l'ai fait pour les colos de Simone. J'avais fait un effet or. Et pourtant, j'aime pas faire ça, hein. Je sais pas, je dois être un peu maso. Et puis, j'ai fait un fond au néocolore. Et puis, le fond marin, je le voulais assez sombre. Donc, voilà. Ensuite, cette double page. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va. Franchement, vous voyez bien. Qui m'a pris une éternité. Je crois que c'est l'une des pages les plus longues. Elle est vraiment dans le. C'est une des plus dures, je trouve, du livre. Elle est dans le top 5 des pages les plus dures. Mais contente de l'avoir faite. Vraiment. Très, très contente. Et puis, j'ai fait une petite barbe arc-en-ciel. J'essaie de faire un truc un petit peu loufoque. J'aime beaucoup. Ensuite, celle-ci, j'ai fait entièrement au Castle Art. J'aime bien ce côté féerique. J'ai celui-ci qui est en cours pour le coloriage de Simone. Je sais déjà comment je vais le faire. Et je vous dis, j'ai un petit blocage avec Kirby en ce moment. Puis je suis concentrée sur ma double page dans le Soulmate. Mais je vais. Promis, dès que j'ai fini ma page dans le Soulmate, ça sera celui-là que je vais terminer. Parce que je sais déjà ce que je vais faire. J'ai déjà mis à attaquer le bas là. Vraiment, j'ai pas grand-chose à finir là. Et puis là, j'ai déjà posé mes couleurs pour les aquareller, donc c'est pas très gênant. Alors désolé, j'ai fait pause. Désolé, j'ai dû m'arrêter. Mon fils a renversé du sirop. C'est pas très grave. Donc, je disais, ouais, je sais déjà les couleurs que je vais faire et faut que je finisse. Ensuite, celui-ci qui est également
point colo avec Simone. Celui-ci, tout fait au cast artisan. Ma première double page dans ce livre qui m'a pris une éternité, une semaine en confinement où je passe énormément de temps dessus. Et tout fait au crayon de couleur. Aucun autre média à part du Posca noir. Ça a été très très dur parce que j'ai fait écaille par écaille. Vraiment, je me suis vraiment tuée pour celui-ci. Ensuite, ça c'est ma première page dans ce livre. Voilà. Celui-ci, je l'ai fait pour Noël. J'ai voulu le transformer en Papa Noël avec des petits sapins de Noël qui brillent, plein de paillettes. Et puis un petit ticket d'or. Voilà. Même le renne, je vais rajouter un petit nez de. Un petit nez là. Comme dans le Grinch. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, on a ça. On a ce colo que j'ai fait entièrement en noir et blanc avec toujours le vernis, comme je vous disais, vernis à ongles. Ouais, vous voyez un petit peu cet effet. Voilà. Brillant. J'adore celui qu'elle a fait, Simone. J'adore le ciel là qu'elle a fait. Pouf, extraordinaire. Extraordinaire. Moi, c'est mon fond que j'ai un petit peu loupé. Un petit peu beaucoup même. Mais bon. Celui-ci, je l'adore. J'adore le regard que j'ai pu lui apporter en fait. Et puis l'écume. Voilà, j'ai voulu faire une mer tropicale un petit peu. Avec le ciel tropical également. Un petit peu coucher de soleil. Voilà, ça. Je dirais que on est pirate des Caraïbes, quoi. Celui-ci. Que j'aime plutôt bien. Hop, je vais un petit peu me recadrer, pardon. Parce qu'il est dans des teintes en fait un petit peu atypiques. C'est des teintes que je n'utilise très peu, les couleurs chaudes là, rouge, orange. L'orange c'est une couleur que j'utilise très très peu et que j'ai envie des fois d'intégrer, mais je sais pas. Le rouge en quoi je l'intègre pas mal, mais l'orange c'est une couleur j'ai du mal. Je me rends compte que j'ai vraiment pas beaucoup de polos où j'utilise l'orange. Donc il faudrait que je travaille sur ça un petit peu. Je me suis utilisé le tuto de d'Ali, des couleurs d'Ali au néocolor. Voilà, donc j'ai essayé de matcher les deux pages ensemble. Les deux ont été faits, je crois, pour les couleurs de Simone d'ailleurs. Celle-ci m'a pris une éternité. Je l'ai bâclée complètement à la fin. Je n'en pouvais plus. C'est pour ça que là j'ai du mal avec Kirby, c'est que les derniers que j'ai fait, je les ai bâclés et je veux pas les bâcler. Donc je préfère faire un petit break et reprendre quand je me sentirai, parce que là, concrètement, j'ai fait n'importe quoi. Il est moche. Il est moche. On dirait une couleur que j'ai fait à mes débuts, quoi. Non, il n'est pas. Il n'est pas. Il n'est pas ce que je devrais arriver à faire. Voilà, je vais arriver. Celui-ci. L'idée que j'avais dans la tête n'est clairement pas ça. Je voulais un effet rose gold c'est pas vraiment ce que je voulais. C'est pas ce que j'ai réussi à faire. Voilà. L'idée est là, mais elle n'est pas aboutie pour moi. Elle n'est pas. Franchement, c'est pas ça. Après, il n'est pas affreux en soi, mais je trouve qu'il n'est pas. Il n'est pas ce qu'il pouvait être, quoi. Il n'est pas. C'est pas ça. Ensuite, celui-ci qui n'est pas terminé, c'est un en cours. Alors, je voulais le terminer au mois de février-mars, je crois. Puis, je me suis dit, écoute, mets-le de côté. Tu veux finir cet hiver un jour, tu n'as pas envie de faire un gros colo. Tu auras juste quelques éléments à faire. Et puis, voilà, après, tout le reste est fait. Les montagnes avec les paillettes. La petite rivière. Effet gelé, le château aussi. Donc voilà, je continuerai un petit peu plus tard quand j'avais commencé à mettre les paillettes sur les sapins, puis j'arrête. Voilà, je continuerai un peu plus tard. Celui-ci, je l'ai fait l'été dernier avec le tuto d'Ali. Elle l'avait fait sur le cerf du début là.
Voilà, moi je l'ai intégré sur celui-ci. Et puis j'ai fait le bas aussi au néocolor. Et j'ai passé par-dessus la tortue pour qu'on voie bien qu'elle est sous l'eau. Parce que des fois, je vois la tortue coloriée, puis l'eau autour. Et ça me perturbe en fait de voir que la tortue, elle n'y a pas d'eau dessus. Donc je voulais mettre l'eau par-dessus. Donc à la fin, j'ai tout. Une fois que j'ai tout colorié, j'ai tout mis le néocolor et un badigeonné, même sur ce que j'avais. J'avais colorié, mais pareil, celui-là aussi, je l'ai un petit peu bâclé au niveau des coraux. Je les ai un petit peu. Je n'ai même pas dégradé, je crois. J'ai fait juste un aplat de couleurs, ce qui est un peu dommage parce que il aurait pu mieux ressortir. Mais dans l'ensemble, ça va. C'est un de mes préférés puisqu'il est pour ma page d'accueil de ma chaîne YouTube. Donc, c'est que je l'aime bien quand même. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Pareil, je me suis inspirée du tuto de Color Art, mais je ne l'ai pas fait au Prisma. Le bois, je sais plus qu'est-ce que j'avais utilisé comme crayon, peut-être les drawings. Moi, je crois que j'avais utilisé les drawings, et puis je me suis plutôt inspirée de l'effet de lumière qu'elle avait mis elle sur les arbres pour faire les miens, parce que c'est ce qui apporte un petit peu de réalisme. C'est les effets d'ombre et de lumière qui sont plutôt importants pour moi. Ensuite, celui-ci que j'ai, pareil, j'ai retravaillé et j'ai fait un genre de cupidon avec des ailes. J'ai changé l'arc en flèche de cupidon avec des petits cœurs que j'ai collés là. J'ai utilisé le tuto de Johanna pour les feuilles de cerisier. Je crois que c'est dans la colo classe. Et puis, ça, c'était pour moi de février pour mon colo Saint-Valentin. Ensuite, ah, celle-ci, c'est un des derniers que j'ai fait. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Celle-ci, j'avais très envie de la mettre en couleur depuis longtemps. Et puis, j'ai tellement vu colorier que je ne savais pas quoi choisir comme teinte. Et puis, finalement, on arrive toujours à faire un truc un petit peu différent. Voilà. Voilà, je ne casse pas trois briques, mais c'est pas mal. J'aime bien quand même. Ensuite, cette double page, j'aime beaucoup. Je trouve que j'ai bien réussi à faire l'harmonie des deux pages, vraiment. Celui-ci, je l'avais fait pour Bulle d'Arc-en-Ciel et celui-ci pour Simone. Et j'ai essayé de matcher les deux pages ensemble. Et j'aime beaucoup ce ciel très doux là. Je l'ai fait tout au crayon parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'éléments à faire. Pour le fond, il n'y a pas beaucoup de place, on va dire. Celui-ci que j'aime beaucoup également, j'ai essayé de faire un effet mousse sur l'arbre, sur les troncs d'arbre à l'acrylique. Voilà, j'aime bien mes pierres également. J'ai fait un petit peu un effet mousse. J'aime plutôt bien tout le coloriage. Bon, après, on a toujours un truc à dire. Là, ça serait, je trouve, mes serpents qui ressortent trop, mais justement, ça m'est fait ressortir dans le dessin. Donc, bon. Voilà, j'aime bien mon effet pierre et mon effet mousse. C'était June Nova qui avait parlé de ce fond, et je lui ai demandé si je pouvais le faire dans ses teintes. Voilà, ça ressort plutôt bien comme ça. C'est vrai qu'elle trouvait que ça faisait très coloriage d'Harry Potter, et c'est vrai qu'en le regardant, ça fait plutôt Harry Potter. Ensuite, bah celui-ci aussi, c'est pour. Celui-là plutôt, bah celui-ci aussi. C'est pour un colo en commun avec Julie Nueva sur la chaîne Twitch. Elle propose des colos tous les mois. Et là, c'était pour le mois de février pour le Nouvel An chinois. Donc voilà, celui-ci. On arrive sur la fin. Celui-là est un court également. Donc celui-ci, il est très très long à faire. Donc du coup, j'ai beaucoup de mal à le terminer. Et j'aimerais essayer de faire venir tous mes encours ce mois-ci. Ça serait bien. Ah, mon préféré. Bah, ouais, je crois que c'est l'un de mes coloriages préférés que j'ai pu faire. De toute mon année de coloriage, vraiment. J'adore, j'adore. J'ai fait un effet givré sur
Les fleurs, bon, j'aurais des sticules, ça aurait été plus beau, mais j'en en ai pas. J'ai fait un effet nacré sur la crinière. J'ai même essayé de faire les bijoux qui sombrent, en fait, comment dire, on voit le. Comment dire? L'ombre du collier sur la licorne. J'ai fait pareil avec les diamants. Chaque fois, j'ai fait l'ombre. Donc, il fait vraiment très réaliste. Ce fond tout doux que j'ai fait au crayon, que j'ai estompé à l'essence sans odeur. J'ai rajouté quelques flocons de neige. Voilà. Et puis, ça, c'est ma couleur préférée, le vert d'eau. Ça s'harmonise extrêmement bien. J'adore ce coloriage, vraiment. C'est un de mes préférés. Et celle-ci aussi, j'aime. J'aime bien mon effet serpent. Il fait très luisant. Voilà. C'était un effet cume que j'avais fait au Posca. Parce que j'avais pas d'acrylique à l'époque. J'ai tué un Posca rien que pour l'effet écume. Mais je l'aime bien. Il n'y a que ma lune qu'au jour d'aujourd'hui, j'aimerais la retravailler parce que je trouve que je ne l'ai pas assez travaillée. Mais voilà, ça c'est un de mes derniers, c'est mon dernier d'ailleurs dans le livre, celui-ci. J'ai repris mes Arteza pour faire celui-ci, même le fond je crois que je l'ai fait au Arteza. Et puis pour l'effet or, je me suis pas embêtée, j'ai pris les crayons Sennelier iridescents que j'ai passé, des feutres brush là, avec de l'encre. Et puis après, j'ai légèrement ombré avec du marron et ça fait un effet or rapide. Pour des petits détails comme ça, je ne me voyais pas faire un effet or intense. Là, j'ai fait un effet or au crayon, mais pour ce qui est des chaînes, je l'ai fait au feutre. Et mon dernier en cours et le dernier coloriage, c'est celui-ci. Pareil, j'aimerais le terminer ce mois-ci. Et normalement, ce mois-ci, j'ai ce coloriage à faire en commun pour Genova, pour ce mois-ci, pour le mois de juillet. Celui-ci. Donc, j'ai déjà une idée de ce que je voudrais faire. J'aimerais faire le fond un petit peu comme elle a pu faire Simone. Ce fond rose violet là, il me sort pas de la tête. Vraiment, j'aimerais le faire. Et voilà, donc c'est un livre que j'ai beaucoup, 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 beaucoup avancé. J'aimerais bien évidemment le terminer. Je pensais arriver à le terminer pour fin 2021, mais je pense que je vais être un peu plus raisonnable et partir sur courant de l'année 2022. Je pense que ça sera beaucoup plus raisonnable parce que, certes, je l'ai beaucoup avancé, mais il faut dire que je ne travaillais pas pendant plusieurs mois parce que j'étais en confinement, comme je travaillais dans la restauration. Donc j'avais énormément de temps de colorier. Je faisais plus de 20 coloriages par mois. Et là, comme j'ai repris le boulot, si j'arrive à en faire 10, je suis contente. Voilà, donc voilà, j'espère que Simone continuera à nous proposer encore des colos à l'intérieur. Et puis, chaque fois que je vois des colos, on propose des colos à l'intérieur en duo ou quoi, je les fais parce que ça motive toujours. Donc, si vous voulez me motiver avec mes encours, mais on ira tranquille, hein, parce que j'ai déjà plusieurs colos de prévu, vous voyez. Celui-ci, il me tente plutôt. Celui-ci, j'ai pratiquement promis de le faire pour le mois de juillet avec Julie Noeva. J'ai déjà le lièvre à terminer également pour Simone. Donc, si j'arrive à finir ces trois ce mois-ci, ça sera déjà énorme. Et puis, voilà. Donc, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo en entier parce que je pense qu'elle dure son petit moment. Hein. Je ne sais pas faire des vidéos courtes, je crois. Je continuerai à vous montrer toute ma collection de livres de coloriage. On partira sur les autres carrés la fois prochaine. Et puis les hardbacks. Peut-être que je ferai la vidéo d'Anna Carson à part également parce que j'en ai fait autant dans les Anna Carson, voire plus. Je crois que j'ai fait une centaine d'Anna Carson. Donc pareil, si je commence à faire tous mes livres hardback plus Anna Carson dedans, ça va faire trop. Donc je vais vous laisser parce que j'ai très envie de colorier là actuellement. Je suis dans le vitraux, j'ai fait une petite folie hier et oui, je me suis mise à colorier du Disney. Comme quoi, on peut changer tous d'avis. Donc, je vous embrasse, je vous laisse, je vais colorier. J'ai pas touché mes crayons depuis 3 jours, je n'en peux plus. Donc, je vous fais des gros bisous. Dites-moi quel colo vous avez préféré. Si vous voulez faire un duo avec moi, il n'y a pas de souci.
On verra ça au mois de août au pire parce que j'ai énormément de projets pour le mois de juillet. Mais si vous voulez faire un colo avec moi, Gabi Rosane, dans les livres que j'ai ou dans celui-ci, allez-y, proposez-moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouverte au duo. Je n'en fais pas assez à mon goût des duos. Donc, si vous voulez en faire avec moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me suivre. Me parler directement en commentaire là ou même venir en MP sur Insta, il n'y a pas de souci. Et puis je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis dites-moi si vous avez fait plaisir, mettez un petit pouce et je vous fais de gros bisous et vous retrouve très très vite pour la suite de ma collection. Au revoir!